Et yo, what's up tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit glitch qui concerne donc la bannière de fer qui vous permettra de garder votre niveau demain soir à 19h, car oui, la bannière de fer débarquera demain soir à 19h et non pas demain matin avec le reboot hebdomadaire. Donc voilà, donc ce petit glitch vous permettra, comme je vous l'ai dit, de conserver donc pour la première journée, hein, pour la première soirée, votre... Enfin, bien évidemment, avant de vous déconnecter, parce que si vous déconnectez, vous perdez ce niveau. Il vous permettra donc de garder le niveau que vous avez acquis lors de la dernière bannière de fer. Donc pour cela, bien évidemment, je vous conseille d'avoir au moins été rang 4 lors de la dernière bannière de fer pour pouvoir acheter tous les équipements, voilà. Donc ce glitch, comment fonctionne-t-il? En gros, la bannière de fer va arriver demain soir à 19h. Il faudra bien évidemment être connecté sur les serveurs de Destiny avec le personnage avec lequel vous souhaitez faire le glitch avant 19h. Donc c'est important de se connecter bien avant 19h. Et à 19h, il ne faudra pas être présent sur la tour, mais il faudra bien être en orbite. Voilà, donc à 19h, il faudra être en orbite. À 19h, logiquement, la bannière de fer arrive. Donc là, vous voyez que dans les niveaux, donc là, je suis avec le personnage de Lady, hein. Donc là, vous voyez que sur les niveaux ici, il n'y a pas la bannière de fer qui apparaît. À 19h, la bannière de fer va apparaître. Donc vous aurez votre niveau précédent, donc rang 5, pour ceux qui sont rang 5. Et à ce moment-là, vous vous rendrez directement à la tour. Alors attention, à ce moment-là, ça peut bugger. Il va falloir bien sûr forcer, être un petit peu patient. Parce que voilà, il y a plusieurs personnes qui se connectent à ce moment-là. Donc il va falloir un petit peu attendre. Là, je sais que la dernière fois, ça a bloqué et ça a marché par la suite. Il ne faut pas perdre patience, il ne faut surtout pas se déconnecter. Ça peut prendre quelques minutes. Mais voilà, une fois que vous aurez fait ça, vous arriverez à la tour. Les portes seront ouvertes, vous pourrez aller voir directement Lord Saladin qui se retrouvera donc là-bas derrière. Et vous pourrez acheter directement le stuff qui sera disponible demain, voilà. J'espère que vous avez bien compris ce tuto, j'espère que ça vous plaît, je comprends qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Après, je comprends qu'il y en a qui le fassent parce que voilà, ils ont peut-être moins le temps de jouer que d'autres. Enfin voilà, toujours est-il que j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre avis, à partager ou à poser des questions si vous en avez. Je vous laisse les potes et je vous dis à très bientôt. Tchuss!